Yeah, salut mes petits bougies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite review du chapitre 135 de The Promise des qui vient tout juste de pointer le bout de son nez. Chapitre de transition qui va nous faire revenir sur Norman, d'onegilda et sur la quête de Sanju et Musica et Sarim. Et qui va un petit peu nous faire oublier bah, Ray et Emma le temps d'un chapitre, même si euh, on va y revenir, je pense, très très vite, notamment euh, vu le petit teasing et vu euh, bah, la fin du chapitre en fait, tout simplement. Du coup, on va reprendre ce qui s'est passé, on reprendra aussi vos petits commentaires. Pas. Alors, retour donc sur Norman qui demande à Don et d'aller chercher son et Musica et qui prétexte qu'il veut les mettre à l'abri même si tu te doutes bien qu'il a de noirs desseins, de noirs désirs vis-à-vis de ces derniers même si bah, il ne va pas encore le dévoiler, donc hein, ce n'est surtout pas Don et et encore moins à nous. Et il ne cache pas néanmoins, très très malin, très très pernicieux, très très vicieux, le Norman qui n'a pas encore totalement adhéré au plan des et qui ne sait pas encore spécialement ce qu'il va faire d'eux, mais peu importe. Car le, le peu importe le cas de figure, en fait, car ils préfèrent les avoir à portée de main plutôt qu'ils soient aux mains de leurs ennemis. Et au final, on peut bien le comprendre aussi vis-à-vis -à -vis, bah, du pouvoir et de la menace que représente notre petite musica, bien sûr. Donc, il compte sur les guilda pour les trouver, car ils les connaissent forcément de longue date. Et il a délimité en plus de ça sur sa carte les différentes zones qu'ils peuvent emprunter et les lieux qui sont, où ils sont susceptibles justement de se trouver. Il l'a fait d'ailleurs en fonction du fait bah, qu'ils soient déjà des démons recherchés, forcément, quand on soit par le commun des démons, dans le monde des démons, mais aussi en fonction de sa propre expérience, forcément, quand lui aussi il a fui lambda. Et donc, il a pu voilà, délimiter pas mal de zones à explorer. Et il y a de très très fortes chances qu'il soit amené à tomber sur eux bah, en empruntant justement à ces différents chemins. L'avenir nous le dira. Et il va, justement, encore une fois, en plus de tout ça, va bah, leur envoyer un de ses fameux lieutenants pour les accompagner. Et forcément, tu te doutes bien aussi, même bah, si bah, ça n'a pas été dit, mais c'est tellement évident, à mon sens, pour moi, pour aussi peut-être les supprimer. Et ça, ça annonce franchement du très lourd. Mais nos deux amis, forcément, ne sont pas dupes. Ah oui, ça, il s'agit quand même de donner Gilda. Et ils se doutent que Norman Stormy mijote quelque chose de son côté et qu'il se sert d'eux comme à pas pour... Euh, Réussir à ferrer, à attraper, voire supprimer son Joy Musica. Et tout en sachant cela, il décide de le faire quand même pour les protéger, donc pour tenter d'entraver justement le projet de Norman, même si bon, il lui accorde quand même le bénéfice du doute, il hein. ne faut pas décoller non plus par rapport à ça, mais ils sont quand même extrêmement méfiants. Et tu veux mon avis, c'est à juste titre. Ayato, d'ailleurs, dans la foulée, va leur présenter justement ce dit guide qui se nomme Aishé, donc Ken Nala. ce mignonne, d'ailleurs, celui-là en passant. Et qui a trois kleps, trois chiens. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on en voit dans, dans The Promise. D'ailleurs, les gamins le, le soulignent très, très bien, justement, de petits pensionnaires de Gracefield. Bonne petite euh, remarque, j'aurais même pas à percuter, tu vois, pour le coup. Mais elle ne parle pas, car elle a été élevée, justement, par des démons, et c'est Norman, justement, et sa team, euh, qui l'ont sauvée par le passé, justement, encore une fois, bah, de ces démons euh, qui l'ont certes élevée, mais qui la retenaient à prisonnière. On n'ose même pas imaginer tout ce qu'ils ont pu lui faire. Et ça rime, j'ai pas fait exprès. Et euh, ça me fait beaucoup penser, bah, forcément, quand une fois, voilà, à l'histoire de l'enfant loup, ou même un peu danser avec les loups aussi, tu vois, pour le coup, même si c'est pas des loups qu'elle a, mais voilà, tu vois, ça me fait penser à ça. Et du coup, forcément, quand une fois, Don et guildas sont encore plus méfiants, car elles pourraient justement, quand une fois, tirer à vue sur son jeu Musica, vu qu'ils sont des démons et hein, qu'elles représentent bah, tout ce qu'elles détestent. En plus, tu vois, elle a l'air d'avoir la gâchette facile, vu, euh, vu comment elle est équipée. Et du coup, forcément, tu te doutes bien bah, que pour Ray et pour Emma, et aussi pour Norman, pour l'ancien Norman, tu vois, pour le coup, j'ai beaucoup aimé cette, uh, cette, petite, uh, cette petite pensée de Don et Gilda, bah, ils vont accomplir cette mission, ils vont tout faire pour l'accomplir au mieux, tu vois, leur le honneur en dépend. Et on termine le chapitre en retournant sur Ray, qui est uh, bah, un petit peu vieilli, t'en doute bien, qui tient Emma bébé, en fait, dans ses morts, je ne sais pas s'il l'avait dans le chapitre précédent, ou alors peut-être qu'il l'avait, mais j'ai n'ai pas spécialement fait gaffe, mais là on la voit bien. Et uh, donc, bah, qui ne trouve pas d'issue à cette épreuve-là, et ça commence, enfin, commence heureusement à trouver le temps long, et je ne vais pas dire nous aussi, mais c'est peut-être pas spécialement bon signe aussi. Uh, le temps commence euh, un petit peu trop à s'écouler. Sauf si le temps ne s'écoule pas dans cette épreuve-là, on ne sait pas. Hein. Pour le coup, on n'a pas assez de suffisamment d'informations, mais vraiment hâte euh, de voir la suite. Là, ouais, pour le coup, il a quand même été assez exhaustif. J'ai direct été droit au but, mais bon, le voilà, chapitre va à l'essentiel, hein, j'ai envie de te dire. Du coup, eh ben, on va reprendre nos petits commentaires dès maintenant. c'est Petit pas à m'évoquer, les familles, pour commencer. Depuis qu'ils sont rentrés dans les sept murs, leur apparence, bien, quand, bientôt, euh, pardon, tantôt enfantine, tantôt plus vieille, et celle de leur environnement change sans arrêt. Rien n'est tangible dans ce monde. Il y a de quoi perdre l'esprit. Non, il y a forte chance aussi que le temps ne s'écoule pas normalement. Je crois que le démon a effectivement séparé Ray et Emma, et bravo à lui. Bah, au final, on s'est plutôt bien fait avoir, visiblement. Mais que leur séparation aussi doit être une illusion. Emma ne doit pas être loin, mais il ne la voit pas. Ce qui m'intrigue aussi, c'est ces moulins. Jusqu'à présent, toutes les illusions se sont basées sur des endroits que Ray et Emma avaient connus, des endroits qui ont du sens pour eux. Mais ces moulins, ils sortent d'où Est-ce là une part de l'imagination du démon lui-même Ou alors c'est une symbolique japonaise, ou alors c'est une symbolique spécifique par rapport à à Ray, et puis peut-être quelque chose qu'il aurait vu dans un bouquin qu'il a marqué quand il était petit. On sait pas, il peut y avoir beaucoup de possibilités aussi. Wait and see, maybe patient my friend. Faites vos théories. Au Japon, le moulin à vent est un des symboles désignant les dieux juvéniles. Du coup, j'ai regardé les mythes et légendes sur les moulins et j'ai trouvé les moulins de jouvence ou moulins de Peut-être T'es vraiment parti trop loin dans un truc de fou. C'est génial. Alors, sauf que font rajeunir justement les femmes, pas vieillir les hommes. Ah bah, ça a marché pour Emma donc peut-être peut pas si loin de la vérité pour l'Église après pour qu'Emma rajeunisse il faut prendre donc le, des années de vieillesse il faut les donner à arrêt si tu veux c'est peut-être proportionnel ce qui est en train de se passer Ray qui vieillit et Emma qui jeunit, par rapport à leur euh, qui rajeunit pardon par rapport à leur âge qu'ils avaient à la base Putain, je crois que je, je, je tiens quelque chose, tu, tu m'as plutôt bien inspiré. Là. Euh, pour l'église de Moulin, on peut représenter le passage de, des préoccupations terrestres à la recherche de la béatitude céleste. C'est une métaphore pour la transformation, et d'ailleurs le métier de meunier avec quelque chose de magique, voire de démoniaque, car il avait le pouvoir de transformer les choses. Bah oui, faire du, euh, faire du pain. Oui, à l'époque, n'importe qui pouvait passer pour un sorcier, <laughs> je suis étonne. Et euh, bah, tu me diras, quand tu lis Dr. Stone, c'est vrai que n'importe qui peut passer pour un sorcier. Et autre chose à attirer mon attention, c'est apparemment inspirer des évangiles. Si deux personnes vont à la meule, l'une sera prise, donc attirée par les anges et l'autre sera laissée compte, euh, continuant sa tâche terrestre, on dirait une malédiction j'ai pas bien compris ce passage peut-être que c'est ça aussi qui, euh, qui est imputable justement encore une fois à Ray et puis euh, Emma en ce moment, on verra bref, je sais que mes petites recherches vont parfois très loin mais je voulais vous les partager quand même, peut-être qu'Emma a été prise et Ray euh, justement s'est les laissé ou lésé, <laughs> j'espère qu'ils pourront partir de là tous les deux sans que l'un des deux soit obligé de se sacrifier et de rester sur place. Ah je pense pas, ça serait peut-être un petit peu trop tôt pour le sacrifice, mais peut-être qu'à la fin de cette épreuve des sept mur, lors de l'ultime épreuve, aïe 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 aïe, on verra bien, on aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, très bonne petite théorie et je pense qu'il y a peut-être un fond de vérité là-dedans. Pour le chapitre super court, c'est parce que l'auteur est malade et d'ailleurs on n'aura pas de chapitre la semaine prochaine. Un bon rétablissement à lui, et d'ailleurs, la bon, preuve en est, ils sont bien remis, vu qu'on bah, a eu un très très bon chapitre cette ouais. semaine. La maladie est humaine, hein. on n'est pas des machines. Pour moi, Ray a grandi dans l'illusion et il ne sait plus qui il est, mais se souvient justement toujours de Emma, et c'est un flashback qu'on voit après. Mais je pense pas que Emma est morte ou quoi, quelque chose du genre, comme Ray euh, croit, mais plutôt qu'elle a été séparée de lui par le dieu des démons. Et il lui a fait vivre une illusion où il la voit mourir et disparaître devant ses yeux en mode Genjutsu. Bah, au final, c'est encore plus pernicieux que ça, vu que bah, peut-être qu'il la bah Là, en tout cas, il l'a dans mais ce qu'il le ressent vraiment, bah, vu comment il la tient, on pourrait difficilement imaginer le contraire, mais sait-on jamais. Alors, je ne pense pas qu'elle soit morte, mmh. et je ne sais pas si l'on peut vraiment mourir dans les sept murs. On dirait, hein, ou peut-être peut vers la fin, quand t'arrives face au Big Boss, on dirait un lieu spirituel mêlant les rêves et cauchemars, un Genjutsu. Waouh, mais oui, c'est tout à fait ça, on est en plein dedans. Exactement, bah oui, c'est vrai, je dirais que même pas fait spécialement fétide, fait mais ouais. C'est un Genjutsu pour le coup, c'est cette murs. Donc, technique d'illusion pour ceux qui ne sont pas familiers de Naruto, mais bon. Je pense que vous le savez quand même, faut pas déconner. Alors, donc je ne suis pas déçu, déçu à proprement parler de ce chapitre, mais dubitative quant à la longueur de ce dernier. J'aurais préféré attendre plus longtemps le chapitre et en avoir un avec le nombre de pages standard. J'ai déjà cette impression que les chapitres de The Promised Land sont courts, mais là j'ai mis deux minutes à le, à le lire. Je trouve ça abusé. Bon, après c'était peut-être voulu aussi. Hein. Bon, après le contenu, si un film soit-il finalement, était assez bon. Voir vraiment cool, avec le suspense au début d'un ray pluvieux et ce bon dans le futur qui nous tease. J'ai trouvé ça génial et je ne m'y attendais pas du tout. Pendant le reste du chapitre, on n'avance pas trop. Mais la fin est réellement alléchante pour le coup, vu que ce sont des paroles du futur. Est-ce que les, le chemin Emma et Ray vont être séparés Combien de temps s'écoule-t-il dans l'endroit où ils se trouvent, forcément S'écoule-t-il à la même vitesse que pour, ne, que pour ceux en dehors ben, On est en droit de se poser des questions. Euh, ce chapitre, aussi court soit-il, soulève énormément de questions à cause du euh, bon temporel. J'ai hâte de voir la suite quand même, mais j'aimerais ai, un chapitre plus long. Là, c'était vraiment, vraiment trop court. Bah, lis pas euh, ni euh, Maillon Academia ni Black Clover, des fois, parce que c'est encore plus court. Euh, par rapport à la longueur du chapitre, c'est juste parce que l'auteur, voilà, il est D'ailleurs, on n'en aura pas de chapitre la semaine prochaine. Et donc, euh, alors, d'accord, ça s'explique cela. Mais, euh, comme je l'ai dit, j'aurais préféré attendre plus longtemps. Oui, bah, il pouvait pas faire autrement. Oh là là, tu peux pas. C'est pas toi qui décide. Putain, oh, je crois que je vais le lui repiquer, hein, ce même, c'est un truc de fou. Ah <laughs> oh là là, putain, deux jours d'affilée que j'arrive à le caler, celui-là, c'est un truc de fou. Bref. Euh, et du coup, dernier petit commentaire. Alors pour moi, le chapitre est bon. Il montre bien le, euh, le dédale dans lequel ils sont arrivés. Certes, il est court, mais bon et intense. Ce chapitre a sans doute servi de pause pour les auteurs. Et du coup, je pense que c'est le labyrinthe dans lequel ils sont qui donne à Ré un aspect plus vieux mais qu'une fois sorti, il récupérera son apparence normale. Je pense aussi, et idem pour, pour Emma, j'ai envie de te dire, heureux, on espère. Hein. Je pense que quand ils vont sortir de là, dans l'hypothèse où ils quittent les sept murs tous les deux, ils auront quand même l'air un petit peu plus âgés parce qu'ils ne sont plus les mêmes psychologiquement. Un peu comme Ichigo dans Bleach, quand il quitte le Dangai pour affronter Aizen. bah ben oui, mais là, là, tu cites le meilleur exemple qui soit. Ou comme Ichigo quand il affronte un frp pitou dans. ça c'est encore un autre cas de figure, mais <laughs> peut-être capter la référence. Et donc, sans doute. Et ben bah pour le coup, c'est vrai que c'est un chapitre, cette semaine aussi, assez cool, même si de transition et qui ne fait pas avancer le schmilblick par rapport à Reima. Calme-toi, ne t'emballe pas, mais qui le fait quand même avancer par rapport à son joue musical. Et j'ai envie de te dire, heureusement, vu que c'est aussi l'autre quête qui va être très très importante, hein, c'est important qu'elle soit menée en parallèle de celle de Doré et Emma avant que, que la grande guerre entre démons et humains commence, pour le coup, et que la promesse soit brisée. Mais en tout cas, ça annonce du très très lourd pour la suite. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Je vous dis avec beaucoup d'impatience. Rendez-vous bah, à la semaine prochaine pour la suite de The Promise de Voland. D'ici là, restez connectés parce qu'on attend encore beaucoup de chapitres. Du Shogi no Soma, mais ça n'en plus compter alors que le manga est sur sa fin. On attend encore deux chapitres. Du euh, Orient, mais bon, ça n'en plus compter. Euh, Il y a une bonne douzaine de chapitres donc là, quand ça sortira. Du Nanatsu Taizai qui lui aussi est sur sa fin. Et du Kingdom. Et là aussi, ça annonce, ou oh, putain, du très 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 lourd. Et du Eden Zero, mais ça. Quand ça quand, ça, quand je pourrais mettre la main dessus, donc euh, j'espère le plus tôt possible. J'y travaille. Ouais, sur ce, je vous dis à la prochaine. Si là, prenez soin de vous. Salut à tous, je vous, vous dire.